Shalom Bracha, vous êtes tous excités, vous avez écouté cette belle histoire, bientôt la fin. On a pris l'avion, entre toi et là, le nouveau passeport. On se voyait chaque fois, et les gens sont venus demander des brachot chez lui. Et les gens lui ont donné beaucoup de cadeaux. Ils n'ont pas cru, c'est pas possible. Bon, le pied toujours, il est toujours, il y a le problème du pied, mais le plus important, il marche. Il marche, en plus. Plus de diarrhée, plus de mal de ventre. Et le miracle, il est là. Première chose qu'il a fait en Israël, il est parti, on l'a pris à l'hôpital. Ses médecins n'ont rien compris comment il est arrivé sans les béquilles. C'est une chose qu'ils n'ont rien compris. Marcher seul et biquer, ce n'est pas possible. Oh! Et le médecin, chaque fois, il dit, oh! Pas possible! Il n'a rien compris. Tout de suite, les radios. Ils n'ont rien compris. L'homme est béni, on ne comprend pas. Chez qui tu as été en France ou au Maroc? Quel médecin, quel docteur, quel hôpital? Pourquoi? Où sont les platiniums qu'on vous a installés il y a 2 ans? Où ils sont? Il n'y a plus de platinium. Il y avait 1 kilo de fer dans son pied. Et comment tu... Ils n'ont rien compris. Ils ont vu que les os, ils se sentent attaché, il pouvait plier son pied. Vous savez, avant-hier, je vous donne un parole d'honneur. Aujourd'hui, on est le 23 décembre. Avant-hier, je lui ai dit, raconte-moi toute l'histoire. Ben, tout ce que je vous ai raconté, c'est de l'histoire. Il me l'a encore raconté. Et chaque fois, je le vois, raconte-moi, parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer. Eh bien, si vous croyez donc que les Juifs ils ont traversé la mer, eh bien, il faut croire à cette histoire aussi. Si vous croyez que Rabbi Shimon Bar Yochai il est resté dans une grotte 13 ans, ben vous pouvez croire à cette histoire aussi. Vous voyez aujourd'hui beaucoup des gens, il y a un monsieur qui avait le corona, 8 mois de coma. Pour la médecine, il est mort. Il n'y a plus rien à faire. Et Baruch HaShem, il est sorti du coma la semaine dernière, en bonne et parfaite santé. Personne ne comprend. Le cœur, il s'est arrêté 10 dizaines de fois. Pas de respiration. Ses poumons complètement détruits. C'est impossible. C'est ça, le miracle. Lorsqu'on a l'aïmona en HaShem, on est attaché à Kadosh Baruch Hu. Quand je vois au fait des miracles. Mes amis, Baruch HaShem, jusqu'à maintenant, voilà, il est là, en bonne et parfaite santé. Que le bon Dieu vous protège. Alors, quant à le gardien du cimetière Lessin, une fois, pendant la fête du mouton que les Marocains, les Arabes, dans le monde entier, ils font, il n'avait pas de mouton pour la fête, l'Aïd Kever, il n'avait pas. Et le pauvre, il n'y avait pas beaucoup de juifs qui venaient pèleriner. Et même s'il y avait des juifs de temps en temps, il n'y avait pas assez d'argent. Et sa femme lui a dit, oui, depuis des années, voilà, tu es le gardien du cimetière, et voilà, il n'y a rien, tu n'as pas d'argent. Alors, il ne répondait pas. Un soir, il rêve Rabbi Chaim Pinto. Il lui dit, tu sors chez toi, tu vas à Bat Kala. C'est un endroit à Essaouira, et tu vas trouver là-bas un mouton. Il appartient à personne, il t'appartient à toi. Il se réveille, il raconte ça à sa femme. Sa femme, elle le prend pour un fou.
Tu penses tellement au montant que tu rêves avec le montant que tu l'as trouvé. La deuxième fois, il rêve Rabbi Hippito encore. Il lui dit, lève-toi, il y a le montant qui t'attend là-bas. À Babtkala, c'est un endroit pas loin du cimetière qui s'appelle Babtkala. Il se réveille, il met sa djellaba là-bas, il va, il trouve un montant. Il le trouve, il n'y a personne. Il le trouve, quand qu'il est arrivé. Il le prend et le montant le suit. Dès qu'il a vu le montant, il le suit. Il rentre avec le montant à la maison et lui a dit, de qui tu l'as pris? À qui tu l'as volé? Il a dit, c'est Allah, c'est le bon Dieu qui me l'a donné. Lorsqu'on a l'aïmouna, lorsqu'on a la foi, on n'a pas besoin d'être juif ou pas juif pour croire en Dieu et que le bon Dieu te donne ce que tu veux. Voilà, l'aïmouna, celui qui croit en Dieu, il a tout. Mais il faut être vraiment une émouna, la foi, la vraie foi. Voilà mes amis. Et il me l'a raconté cette histoire. Il m'a dit, Allahu Akbar, j'arrive pas à croire que moi, le bon Dieu, il m'envoie Rabbi Pinto dans le rêve pour que je vais à l'endroit où je trouve là-bas un montant. Et le lendemain, j'ai commencé à demander à tout le monde, est-ce que quelqu'un, tous les marchands de montants, est-ce que quelqu'un a perdu un montant? Parce que je voulais rendre le montant. Personne ne l'a perdu. Personne. Le Maroc, il savait à l'époque, on savait si quelqu'un a perdu un montant, quelqu'un. Tous les marchands là-bas, il s'est renseigné, personne n'a perdu. Donc, c'est le montant miraculeux. Miracle. Que le bon Dieu protège, vous donne la santé et la joie. Amen. À très bientôt. حيم بنتو وقف لنا زي خوف.